Un de vos généraux était un fan. Il m'a fait faire une visite. On les a tous eus. J'espère que le missile n'est pas loin. Entrez. J'espère que vous allez pas nous faire exécuter pour violation de propriété, colonel. J'ai déjà assez de raisons de vous faire exécuter, soldat. Cole, ça te rappelle quelque chose? Tu crois vraiment que j'ai pris des notes la dernière fois que je suis venu?
Silverback. J'ai entendu parler de ces trucs. Oh, la tête. Oh. J'ai touché. On y va. J'avais aucune idée d'où se trouvait le missile. On se contentait de pousser les portes les plus lourdes. On allait bien finir par tomber dessus. J'arrive pas à croire que je cours après le missile qui m'a brûlé la moitié du visage.
qu'on a ouvert la mauvaise porte. Ticker! De retour au combat. D'accord. Comment on sort de là, maintenant? Continuons d'avancer tout droit. On n'a pas croisé d'autres gears. C'est le problème avec les bases secrètes. Les simples gears sont incapables de les trouver quand ça commence à chauffer. Le port. J'avais des amis stationnés là-bas. Comme nous tous. Ouais, je suis sûr d'être déjà venu ici. Allons vers l'ascenseur. Thank you.
candélabre sur la corniche. Tuez-les, on n'a rien pour se planquer. Conseille d'envoyer un bataillon à Onyx Point quand on aura fini ici. Les larves ont l'air de s'y plaire. Lieutenant, il faut lui dire ce qu'on est en train de faire. D'accord, d'accord. Colonel Loomis, ici le lieutenant Baird. Lieutenant, quelle est votre position ? Onyx Point. On vient d'activer le missile lumière et on s'apprête à... Pas un mot de plus, lieutenant. Ce missile est dans ce silo pour une bonne raison. Colonel, vous n'avez aucune idée de ce à quoi vous avez affaire. Je sais parfaitement à quoi j'ai affaire. À la larve qui a tué de minables indépendantistes. J'irais lui serrer la main si je pouvais. Alors vous et tous vos hommes, vous allez mourir. Lieutenant, arrêtez le soldat Paduk et ne quittez pas cette île. En fait, non. Cadet Hendrick, arrêtez Paduk et le lieutenant Baird, s'il résiste.
Ici Omega 2, on est coincé à deux rues du musée. On a besoin d'être évacué. On se mobilise, sergent. On peut vous envoyer un faucon dans une heure. On tiendra pas une heure. Nous, on peut y être bien avant. Je vais sauver Omega. Quelle drôle de coïncidence. Moi aussi. C'est fait. On va où, Damon ? Sur le continent. Les Gears ont besoin de nous. Qu'est-ce qu'on a là ?
Abrams. Sur le continent, les Gears ont besoin de nous. Il ne servira à rien si les larves le chopent. On peut utiliser le bot pour sceller la porte une fois de l'autre côté. Le missile était activé. On pouvait enfin regagner le continent, même si on ne savait pas encore vraiment comment on allait faire. Ce bruit commence vraiment à me gonfler. Hé, la ferme, le bug ! La plage est déserte !
Restez sur vos gardes, Kino. Ok, j'ai compris. Le bot a toujours raison, et moi toujours tort. C'est un max de munitions avant qu'il rapplique.
que ça à faire aujourd'hui, Démon. On bouge ? On doit s'assurer qu'il n'en reste plus. J'espère que c'est fini. Aujourd'hui, Démon. On bouge ? On doit s'assurer qu'il n'en reste plus. Kilo, j'espère que c'est fini. Oh!
dans ton camp. La gueule de ça. Ces navires pour revenir? Parfait. Cette fois, on va en finir, Kido. Vous tous là, vous me sidérez. Là-bas tout de suite et de vous battre, capitaine. Colonel, ils sont juste dehors. Alors ils n'auront qu'à marcher. Chef, c'est de la folie. Je vous attends, Baird. Dépêchez-vous. Le missile Lumière était paré au lancement. Nous devions trouver Karn, placer la balise près de lui et tirer. Et où était Karn? Eh bien, Omega avait détruit ses essaimeurs au musée. Alors j'imaginais qu'il aurait envie de régler ça personnellement. Comment on peut être sûr que la grande méchante larve sera au musée? Loomis vient d'annoncer qu'il envoyait tous les gears de la ville au musée. Ça ne peut être qu'un piège.
Première catégorie. C'est moi ou ces larves nous attendaient ? Colonel, et si Karn avait laissé Omega détruire cet SME justement pour attirer vos hommes jusqu'à lui ? Ces larves élaborent des stratégies, vous savez. Retourne à découvert, Kilo. Panic, j'espère que cette histoire de victoire ne te met pas... Enfin, tu sais... T'inquiète pas, dès que cette guerre sera terminée, on pourra recommencer à s'étriper les uns les autres, comme des gens normaux. Soldats, attention!
patrouille en approche. On va leur faire une petite surprise. Ok, on se sépare. De à gauche, de à droite. Pas de prisonniers aujourd'hui! C'est bien marré, mais on doit éviter ces patrouilles. Je parie qu'on peut rejoindre les toits en passant par là. Fais connaissance avec cette porte. Oh, on dirait que les larves nous ont repérés. Protégez le bot pendant qu'il ouvre cette porte, Kilo.
Ok, Kilo, on monte sur les toits. Plus tôt dans la journée, la vieille ville nous avait paru déserte, même si l'évacuation n'avait pas eu lieu. Où était-il tout passé? On le savait maintenant. Sur les toits. Ils croyaient être en sécurité. Ils avaient tort. Gear, civil, les larves font pas la différence. Ça compte pas dans cette guerre. Ce n'est pas une guerre, c'est de l'extermination. Merde ! Nos vieux potes les larves nous rendent visite ! Les larves ont dégradé.
J'ai l'étrange sensation qu'on nous chasse. Karm a probablement dû mettre nos têtes à prix. Karm nous envoyait ses meilleurs recrues. Je commençais à me demander s'il n'avait pas peur de nous. En avant, Kilo! Le musée est tout prêt! On était tout prêt à ce moment-là. Mon seul regret, c'était de devoir sacrifier le bot pour tuer Karm. Il nous avait bien aidés. Mais on avait tous une mission à remplir. On peut pas les repousser indéfiniment, contrôle! Lancez l'évacuation! On y travaille, sergent! On a des blessés, contrôle! Pourquoi vous n'envoyez pas le faucon de Loomis nous chercher ? Le colonel Loomis ! On y est presque, Kilo ! J'ai hâte de balancer le missile sur cette tête de nœud. Loomis ! Je vais m'assurer que cet enfant les meurt.
Allez les gars, on touche au but! Ciao! Son nom, au fait ? Jack ! Non, non, non. C'est Troy. C'est un chier comme nom. Il ne le portera pas longtemps. Cadet Henrik, quelle est votre position ? Merde. On est d'une autre unité, colonel. Quelle unité ? Vous êtes resté sur l'île comme je l'ai ordonné ? Colonel, si on lance pas le missile lumière, tout le monde à Alvobé va mourir. Lieutenant, écoutez-moi bien attentivement. Des hommes plus intelligents que nous conservent ce missile dans un but précis. Si vous le lancez, vous serez jugé et exécuté! Très bien, on se voit au tribunal. Je vous conseille de vous mettre à l'abri, chef. Je pensais que si on tuait Karn, les larves cesseraient le combat. Cette guerre va me rendre pessimiste, on dirait. Écoutez, Karn devait mourir. Si j'ai eu tort, colonel, alors allez-y, faites-moi exécuter. Catégorie.
forcément d'autres, Kilo. Rechargez, ne lâchez rien. Thank you.
vous avez dit de rester sur cette île, lieutenant. Ce tribunal va rendre son verdict. Quelque chose à ajouter ? C'est à cause d'hommes comme vous que j'ai combattu la CGU. Nous avons sauvé beaucoup de vies aujourd'hui. Ouais, y compris la vôtre. Et vous, lieutenant, vous n'avez rien à ajouter ? Vous avez peut-être raison, colonel. On a sauvé combien ? 1 millier de personnes ? Le missile a été conçu pour en sauver des millions, je le sais bien. Mais si Karn avait pris Alvo, on n'aurait peut-être jamais pu sauver personne.
autres qui vont rappliquer. Alors, tirons-nous d'ici, et vite! Gagné, Kilo. Sortir dans ce faucon? Je peux essayer, mais me demande pas d'atterrir. Ennemi repéré! Explosion.
Lieutenant, le colonel Loomis nous a abandonnés. Permission de le traiter d'enfoiré? Fais-toi plaisir, ma petite cadette. Vers cette porte, et vite! Ce faucon n'est pas là pour faire joli! Je pensais que tuer Karn aurait fait chuter le nombre de larves à Alvo Bay. Ne vont pas tenir! Come on.
exploser ce puits. Content d'être dans cette équipe. On se rapproche! J'arrive presque à sentir ce faucon! Allez! Huh?
T'as sauvé Loomis et cette fiotte s'est barrée. Ouais. La prochaine fois, je devrais sûrement le tuer. Voilà ce qui reste de la géniale stratégie de Loomis. Voilà ce qui reste de la géniale stratégie de Loomis. Ça m'en fera plus.
Le faucon est en bas des marches, Kilo, à gauche! Ça m'en fera plus. Le ménage derrière vous. Ailleurs. C'est
Il y a une différence entre la guerre et la cruauté. La guerre, c'est la cruauté. Et celle-ci n'est pas terminée. Un commentaire, lieutenant ? C'était la dernière fois que quelqu'un vous appelait lieutenant. J'abandonne les charges, mais vous ne serez plus jamais officier. Ouais, pourquoi gaspiller ce cerveau en étant officier, colonel ? Soldat. Jamais. Je comprends mieux pourquoi il voulait que je te surveille. Qui est moi ? Pourquoi ? Il devait avoir peur que tu essaies de voler notre technologie militaire. Ce que tu as fait. J'ai accédé illégalement à cette technologie militaire. C'est pas la même chose. Oh, excusez-moi, lieutenant Baird. Non, maintenant c'est soldat Baird. Loomis m'a rétrogradé. Toutes mes félicitations. Il ne serait pas arrivé sans vous. Je crois que ça signifie que c'est moi, le chef. Parfait. Cole, il y a autant de tensions entre nous. Ouais, je crois bien. Ok, je voulais être sûr.